Salut à vous les gens, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes en compagnie de Brut et Eti sur le jeu Ice Lake. Donc je vais tout simplement essayer. Voilà, je voulais faire un petit gameplay. Donc je vais essayer un petit. Qu'est-ce donc ce coupe jarret? Non, ok. Back. Un multijoueur. D'accord, on n'est pas nombreux. Ah. Total amount. Bon, on va joindre, hein. Il n'y a pas le choix. Dommage parce que c'est un petit jeu qui est plutôt pas mal, il y a beaucoup de mises à jour, mais c'est vrai que en mode multijoueur, faut jouer avec des amis. Pardon, avec des amis. Sinon, on se sent un peu seul. Déjà, même la connexion. Enfin là, ça vient pas du jeu, je pense que ça vient de chez moi. Ok, tant pis, excite, on s'excite tous. Donc je vais faire un tournoi, ça va être avec l'IA, et comme ça au moins ce sera fait. Moi spécifique, est-ce donc ce coupe jarret? Ouais, 30 minutes. 30 minutes, ça va. Donc alors, ce qu'on va faire... Attends, comment on fait déjà? Donc ça, c'est... D'accord, je peux pas, par contre, changer de lac. On ira essayer dans ces zones-là. Ok, on s'en fout. Forfait. Voilà, donc on va être quelques millions. Quelques millions de... Je vais tous vous niquer. Oh putain, j'ai la tête qui tourne, Francis. Je me rappelle plus comment on change de vue. Ça y est. Alors attendez, sur la carte. Ouh, qu'est-ce que c'est que tous ces points rouges? Alors ici, je sais qu'au bord de ce rocher. Alors attendez, parce que la carte, il faut que je zoome dessus. Voilà, faut que je sois dans un trou. Et alors, on va changer ça parce que ça va pas le faire. Mais si, c'est bon, il m'a mis la bonne. D'accord, j'ai flippé. Brrr, ça caille, il fait moins 2. Oh, ça va, pour des hommes d'hiver, moins 2, c'est rien du tout. À moins 20, ils sont en t-shirt et en short et à traîneau. Bah, je sais pas, on va mettre ça, on est content. Attends, je vais y mettre un petit leurre au cul. Et hop là, je sais même pas ce que j'ai. Bon, en tout cas, c'est joli. Most spécimen, je pense que c'est le plus gros pois chiche. Et hop, un petit coup de la raclette. Yali, yali, Druja, olé, c'est le patron qui paye, tu peux y aller. Je vais attraper des sardines, tu auras le boulot, quoi. Oh putain, j'ai froid. Ah merde, j'ai pas regardé s'il y avait pas des petites tentes là, des petites. Ah, quel fion. Fichonne, Francis, yali. Oh, il est beau, il est beau. Oh, il est... Qu'est-ce donc ce coupe jarret? Excuse-moi, tu viens de lancer ça comme une merde. Respecte le poisson. Oh putain, le con! Il m'a bouffé ça! Donc, c'est quoi le leurre que j'ai? Attends, c'est quoi la couleur là? Ça ressemble à rien. Enfin, si, c'est joli, mais c'est pour faire quoi? C'est pour quel poisson? Le saumon, d'accord. D'accord, bah super, le saumon, il est beau là. Ouf, oh, allez, va. On va pas se laisser emmerder. Je vais remettre ça. Et on va essayer d'attraper un autre poisson. Un peu plus gros ce coup-ci, parce que là, cette fois, voilà, je vais monter moins bas. Je vais rester ici. Je vais être à 30 mètres, non? 40, 30, 20, 10. Voilà, je me reconnais là. Je veux un gros. Allez, viens manger. C'est bon. Ouh, c'est du lourd, messire. Là, ça met du temps à monter. Là, je crois que là, ils vont savoir qui c'est le patron. Allez, sors-moi ça de l'eau. Là, je me reconnais. Voilà donc un brochet, un peu plus de 5 kilos. Allez, tiens, je vais tout en donner à manger. Hop, on enlève un petit peu là. On va rester à cette hauteur. Ouais, mais plus gros poisson,
Enfin, je regarde si je suis équipé correctement parce que j'ai des limites. Donc souvent on me demandait comment tu vois la touche. Et ben souvent le sillon, voilà, quand on fait ça, après il fait tac 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 quand c'est tout petit comme là. Et tu peux le faire. Le petit brochet, qu'est-ce que c'est ça? Allez, j'en ai fait de 16 kilos là. Des oupouilles! Bon, c'est pas gros. C'est une sardine argentée. C'est quoi ce poiscaille? Oh, une calpette! Bah alors, la carpette, t'as pris un coup de soleil là. Bon, il va peut-être falloir que je change de leurre parce que je ne suis plus sûr de rien là du coup. J'essaie de mettre. Couleur Tiger, ça a toujours marché ça. Hein? Non. Plap, 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 seulement. Oh bah oui, bah alors là. Paf! Ok, Mani. Et me voilà fin prêt pour de nouvelles. Ah. Et ça, ce qu'il accroche au bout, le météore, c'est pour paille, croche seulement. Ok, donc on a tout pour attraper du. Fous-moi ça, le maire. Allez, encore 24 minutes, j'ai le temps, non? Ou alors c'est le total, non, c'est pas le total des plus gros poissons là. Pas me dire qu'il n'y a pas des saumons perdus là. Hop! Ah, je l'ai manqué. J'étais rapide, hein. Allez, petit poiscaille, viens. Je sais pas s'ils font du poisson les autres. Ah! Oh non! Il fait que de la merde. Ça y est, j'ai fait un petit poiscaille. Ok, je crois que je vais changer de coin parce que là, j'en ai un pet. Hop là. Allez, ramasse tes poiscailles. Je dirais qu'il est en train de chier là. Allez, move. Allez, Francis. On va aller où? Attends, faut que je chauffe pas trop loin de. Que je sois, pardon. T'es, à moi le faire là-bas. Poule! Regardez ces traîtres, ils vont tous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-les, ça y est, il a tapé l'épaule de son pote, il a dit vas-y, c'est ici que ça se trouve. Excusez-moi, est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Parce que là, je me pèle les douilles. Il va aller dans mon trousse de rue, genre. Bon, on va essayer là. Tac! On va d'abord essayer un coup par là. Regardez là, c'est un peu moins profond. Il va y avoir 30 mètres. Ça y est, t'as fini ton bordel? Ouais, mais moi salaud, je ne pas la voir. Allez, un poisson. Mais oui, je vous donne à manger. Qu'est-ce que c'est que ces petites graines pour les petits saumons? Oui, il faut être un peu patient, ou encore ça va, c'est assez rapide quand même. Youf! Yallah! Youf, je l'attrape. Un poisson blanc. Pourquoi pas? Bon, y a un tournoi sur trois. J'espère qu'on va pas se faire une colonie de poiscailles tout blanc, parce que sinon ça va pas le faire, Francis.
J'aurais dû mettre un petit poste radio là, quelque chose. J'avais une touche, si je l'ai eu. Ah, micro-pike. Putain, le pike il peut se faire bouffer par le poisson blanc. Ouais. On va monter un peu, voilà, plus vers le milieu. Parce que là, j'étais presque dans les abysses. Il me faut un gros, là. Un gros poissonnet, messire. Ouf! Je l'ai loupé, hein. Encore un whitefish. Ok, j'ai compris. Je crois que je vais changer d'endroit parce que peut-être il n'y a pas assez de fond pour les gros poissons. Voilà, donc j'ai changé de nom. J'ai loupé. Bon, je disais donc j'ai changé d'endroit et je viens de louper un poiscaille. Bon, là, je crois que j'ai attrapé la sardine argentée. Hein. Ah non, pas toi. Je comprends pas pourquoi je tape pas du plus gros là. C'est un peu plus en surface, hein. Sur un malentendu, pourquoi pas. Allez, plie-moi la canne en deux là, jusque là. Ouais, c'est pas énorme. C'est un peu plus gros que ça, je pense quand même. Un brochet d'1,5 kg, dis donc. Ok, je suis équipé pour le saumon, je tape que du brochet. Pourquoi? Parce que j'ai des petits problèmes. Allez, donne à bouffer au poiscaille. Tac, tac. Peut-être changer de leurre. Hein. Mais bon, d'habitude, le saumon, on en fait un derrière l'autre, je comprends pas. Mais bon, depuis la mise à jour, les mises à jour, parce que ce jeu est beaucoup beaucoup mis à jour. Voilà du poisson frais là. Et avant le problème, excusez-moi, la nuit a été courte. Puis c'est le froid là, ça me. Parce qu'avant le problème, c'est justement on faisait que du saumon. Bah là, on n'en fait plus. Ouais, je vais bien m'en taper un quand même. Oh, j'ai une micro-touche. Vous regarderez le sillon de la canne, il a fait tac, 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 tac. Voilà, j'essaie un peu toutes les profondeurs, voir un peu où est le poisson, parce que là, c'est un peu compliqué cette affaire. Non, c'est pas gros. ASP. J'aurais dû rajouter un A, t'es. Ok, je fais tous les poissons, mais aucun que je veux. Là, je vais carrément au fond de chez au fond. Je sais pas si ça existe, mais je vais au fond quand même. J'avais une. Je l'ai. Alors, c'est microscopique. Ah, il n'y a que de ça là dans le fond. Founder. Je vais t'en donner, moi, des founders, Trujard. Bon, ben, je vais retourner dans un coin où c'est un peu plus profond, hein. Allez, je replie le matos et terminus. Voilà, donc j'ai voulu essayer cette cuillère, une nouveauté de chez Caperlan. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais encore aller au fond ce coup-ci, donc cette fois, vous voyez, là, je suis redescendu dans le bleu. Ouais, c'est carrément une cuillère, là. Devrais faire une mise à jour avec des bouchons.
Ce serait le top. Des flouates. Allez, plie-moi la canne en 4 là, pète-la. Bah, ils sont pas chauds les poiscailles là. Ou les cuillères, je sais pas, hein. Si, ça y est. Bon, je pense que c'est encore un founder. Bête! Drujard. Ça bouffe tout, cette saloperie. Bon, les founders, on voit qu'ils sont au fond, donc là, je vais essayer ici. Hein, parce que... À force d'attraper des founders, je pense que je vais faire des fondations chez moi. Allez! On y croit, on est chaud. On n'a rien perdu. En même temps, on n'a rien gagné. Un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Là, je veux une canne qui se plie, que le sillon rentre dans l'eau. Peut-être pas encore mis le bon leurre, je ne sais pas. Allez, ça va, un peu de soleil, moins 3 là, ça devrait y aller correct. Tio. Hop, 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 je t'ai vu. Non, manqué. Ah, quelle honte. Bon, je vais essayer de changer de. Je sais plus là. Allez, après un petit changement de l'heure, plouf, homme à la mer. Donc là, c'est bon pour le brochet, le saumon. Peut-être qu'il n'y a pas de saumon aussi dans ce pays là. Si, il y a du saumon partout. T'es sûr? Bon, je pense. Excusez-moi, je parle tout seul, ça va être le froid. Bon, allez. Avec ça, je devrais attraper. Truc de 16 kilos là. Il y a une longue attente pour un très gros fish. Alors tout à l'heure je vais attraper un veron, une ablette. C'est pas gros. J'y arriverai pas. Hein. Oh non, pas toi. Bah, je vais monter vers le milieu. Pourtant, j'ai rien pour ce poisson-là, mais je sais pas. Il est motivé, quoi. Il est là, il est chaud. Alors qu'il fait moins 3. Ah! Une perche, messire! Bon, il me reste 6 minutes, je suis mal. Bon, s'il faut, les autres, ils ont pêché de la merde, hein, je sais pas. Plus gros que j'ai eu, c'est quoi? Brochet, 5 kilos et des poussières? À mon avis, je suis mal barré, quoi. Fichonne! Bah, c'est pas le poisson de l'année non plus. Je suis mal barré. Allez, les gros, là. Soyez brave, jeune poiscaille. 104 minutes, ça sert à rien que je change de poste. Bon, il suffirait que je le fasse, de faire un trou de tac, et premier poisson, il fait 40 kilos. Mais... là, ouais, j'ai pas fait un saumon, quoi.
C'est du délire. C'est pas énorme. Une brème, dis donc. En même temps, je vais sortir toutes les races de poissons. Allez, montre-moi ça. Oh bah putain, si les brèmes me sont sur le coup. Ah, c'est des belles brèmes, hein. Je savais pas qu'il y en avait dans des frigos. Putain, je vais monter un peu plus en surface. Allez, on va te l'allumer, le là. On va te l'animer, là, je te le dis, moi. Donc ouais, celle-ci c'est ma canne préférée parce que on peut faire un peu tous les poissons avec quoi. Bon, les petits, de temps en temps, faut relâcher et regarder le sillon, tac tac, parce que voilà, c'est moins sensible sur les petits poissons, mais parce que c'est pareil, il y a eu un problème sur les autres cannes. Rien que le temps qu'elles se mettent à plonger, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, et quand on sort un poisson, ouais, ça va, 2 minutes, toi. Pareil, quand on remonte un poisson, même si c'est une brème, ça met 3 jours, donc une perte de temps. Donc celle-là, c'est la meilleure que j'ai vue pour. Enfin, j'ai pas réessayé depuis les mises à jour les autres, attention. Allez, le dernier poisson avant la fin des. Oh putain! Oh non! Oh le con! Oh le con! Ah, j'aurais pas dû parler. Allez, vas-y, rattrape-le vite! Il reste 1 minute et 28 petites secondes. Ah, il avait l'air beau le poisson, j'ai vu la canne bien pliée là. Parle, il parle, mais. Il pêche pas beaucoup le gars. Bah si, il pêche bien, il pêche bien. Tracasse pas de ça. Allez, une grosse touche encore. Allez. Oh putain, je vais pas y arriver. Si j'arrive trop tard là-bas, c'est fini pour moi. Je suis disqualifié. Mais allez, coule vite fait, on n'en parle plus. Bon, si à 30 il coule pas, il faut que j'y aille. Il coulera pas, ce traître, hein? Ouais, j'avais une petite touche, mais bon. Allez, allez, cours. C'est où? La sortie, messire! Non, c'est le magasin de pêche. Oh putain, c'est juste là. Regarde ces trous de traîtres. Arrêtez, ça me fait flipper là. Attendez-moi, bande de chacal là. Photo des groupes! Alors, c'est succès, fiche, machine à quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, hein? C'est qui le patron? Franchement, je crois que je suis un bon là. Donc, alors, c'était tout simplement Amount, donc le nombre de poissons. Et qui est premier? Qui? Bah, je vous le fais pas dire. Toujours les mêmes, t'es. Most spécifique. Big fish en plus, ah bah, t'es. T'es. Drujard, c'est moi qui vais attraper le plus gros. Ouais. Donc là voilà, je me suis barré comme un lâche avec mes 10 petits points et je vais tout simplement aller poser un stron dans la cabane. Non, non, fais pas ça. Je me rappelle plus comment on entre dans cette boutique là. Voilà, bon, je vais là où c'est un peu plus profond. Oh putain, mon jet ski. Ça va, X-Pro S, il me l'a ramené. Mais l'avait emprunté, ça fait un bail. On peut le prendre ou pas? Chacal. Ok, bon. Là, je suis à la limite de la profondeur, donc je vais mettre là où c'est bien profond. Poule! Allez, je ferme la porte en toute intimité. Voilà, donc je suis à plein pot à 42 mètres ici.
Mon petit café. Et tu sais que j'ai moins froid que tout à l'heure. Pourtant, il fait moins 4 degrés. Bon, ça, on s'en fout. Alors, tac, 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 tac. Voilà. On va essayer d'attraper 2-3 poissons dans dans la cabane du pêcheur. Ouf! M'a fait peur! Le pois chiche. C'est que je t'ai cherché partout, toi, Drujard. Allez, un saumon pour ce soir. Et là, et là. Mais c'est plus bas, de temps en temps, on peut se taper des anguilles. Faudrait que j'arrive à prendre. On va voir. Allez mon petit, tu peux le faire. Merde. Oh, d'accord. Bon, apparemment c'est encore un gros saumon, mais qui s'est affolé quoi. Non, c'est un brochet. Beau poissonné, messire. Tac. Bon, pour l'instant ce tapage je l'aime bien, ce coin aussi. Peut pas attraper le café. Fait, je vais arriver à prendre un skin quand la canne est pliée. Ça va peut-être pas être si facile. Oh, c'est tout petit. Il a la vitesse où ça monte, le pauvre. Oh non. Ça est revenu. Funder est revenu. Je me mets pas trop au fond, hein, je vais. Parce que c'est pour me taper tous les fondeurs de l'étang, du lac. N'est pas emmerdé par les touristes, quoi. Et lui, il a fait une toute petite touche, hein, c'était vraiment un micro drujard. J'essaye de pas bouger la canne. Histoire de voir une grosse touche plier la canne en deux. Tu peux le faire, Francis. Plie-moi ça. Vas-y. C'est tout petit. Non. Bon, je vais monter. Hop, 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 hop. Ici. Funder, je sais pas, ça ressemble à des sols, j'en sais rien. J'ai dit peut-être une bêtise encore. Et voilà, perdu mes cannes. Concentration là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis les pieds dans le jeu et c'est pas si mal que ça. Allez, le monstre l'attaque. Est pas pressé à mordre. Il n'y a plus de poisson. Bizarre que ça mette autant de temps.
Donc là, voilà, je me suis équipé d'un truc à saumon avec un vif à l'arrière. Tout à l'heure, c'était une espèce de verre, je pense qu'avec un vif, pardon. J'ai en même temps changé de coin, je sais pas si je l'ai dit. T'es, ça... Oh, manqué! Ah, puis il m'a bouffé le poisson. Ouais. Oh, le traître. Mais là, dis! Oh non! Bon, écoutez, je vais essayer de faire encore un ou deux poissons. Bon, je vais remonter un peu plus haut, sinon je vais encore me taper. Me taper tous ces fish. Tous ces fish finders. Allez, un peu d'amorce. On va se monter par là. Allez, mon petit. Non, mon gros. Lui, ce que j'ai dit. Eh ben non, il a pas oublié. Bon, bah écoute, on va se laisser sur ce poisson. Donc, je crois que c'est le gameplay numéro 8. Donc, il y en aura d'autres également sur. Putain, j'ai rattrapé ça. Il y en aura d'autres également sur ce jeu, bien entendu. Et sur Eurofishing également. Mais à la prochaine mise à jour, car. Voilà, vous regardez le gameplay du dernier Eurofishing, vous comprendrez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Et bonne pêche si vous allez pêcher. À ciao, ciao les gens.